aujourd'hui on trouve une situation que mafia la drogue est capable d'accumuler autant l'argent, autant ressources, autant richesses. Mais pourquoi il est arrivé dans une zone ça? Des années et des années, il soutient les autres, il tolère les autres, il les autres faire le business. Et les autres qui témoignent, combien nous trouvons, combien nous avons des enfants, la population qui se tombe dans la drogue. Comme on dit, nous promenons un combat contre la mafia la drogue. Parce que mon but, moi, c'est de protéger toute la population. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle un démagogue. Il y a des gens qui, hier, ils font, ils ont dit qu'ils viennent de nous laisser. Hier, ils complices, ils ont dit qu'ils peuvent dire qu'ils ne peuvent pas faire rien, qu'ils ne peuvent pas blaffer, qu'ils ne peuvent pas exposer. Il faut dire qu'ils ont posé. Ban saisi des causes par eux-mêmes. Et il n'a pas dit, tu peux continuer à dire la scar récemment. Vous connaissez là-dessous, il y a une unité dans la police qui travaille principalement le combat la drogue. Et moi, comme premier ministre, nous pouvons faire un travail ensemble. Et vous connaissez qui va nous faire qui nous peut faire. Mais est-ce que je crois que vous le dire publiquement qui va l'action nous permettre? Pour dire ça va faire cadeau, ça va une mafia là pour finir de dire ça. Parce que qui venait nous peut réussir très bien. Mais qui l'opposition dit là-dessus il pourrit. Là-dessous corrompu, n'exécute la boue. Ça, tu te connais. Mais vous posez une question. Vous pouvez répondre à ça. Vous considérez ça comme une bêtise, comme une imbécilité. Vous dites que vous appelez ça comme une date d'expiration infinie. Ça. Vous pouvez dire ça comme un produit que vous avez dans la boutique. Parfois, il y a un produit où il y a une date infinie expirée, où il n'y a pas à consommer un produit. Mais seulement, je me pose une question, si là-dessous tu pourris, est-ce que tu peux pas faire ça qui a été saisi qui nous le fait là, hier? Presque 100 kilos d'héroïne, vous voyez que ça valait? Puisqu'il y a 1,6 milliards de roupies. Milliards de roupies. Et quand nous gagnons ça, nous finissons de connaître, nous finissons de préparer, parce qu'ils travaillent là pour faire. Et puis dire là-dessus. Puis dire, vous êtes démantelé là-dessus. Et moi, il y a quelques temps de cela, moi, je vous dis, je vous félicite là-dessus.